l'organisation et le développement. Il s'agit pour MAIL de faciliter l'animation, la coordination, la mise en synergie de différentes organisations de la société civile pour plus d'efficacité en termes de plaidoyer sur le continent africain et sur d'autres continents. Donc là, sur la structuration, je crois qu'il y a l'AG, hein, comme toutes les autres organisations. Il y a MAIL International qui est plus basé à Bruxelles, dont Caritas International qui le lead. 6 points focaux régionaux. Il y a un comité de pilotage qui est coordonné par Koudi. Un secrétariat de coordination de Caritas Sénégal qui assure le secrétariat au niveau africain, régional. Il y a des réseaux de Caritas Afrique aussi qui accompagnent, je ne sais pas à quel niveau, mais des groupes thématiques. Et ce qui est plus important pour nous, membres de société civile, c'est vraiment les groupes thématiques, c'est-à-dire nos expériences, nos expertises, nos apports. C'est dans ces groupes thématiques qu'on peut vraiment s'investir pour en tout cas, apporter quelque chose à la construction de MAIL. Donc voilà, je vais laisser le roi, le prince. Vous déclinez un peu, en tout cas, les travaux que MAIL a commencé.